Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget. C'est aujourd'hui la première vidéo de l'année 2022. Je vous souhaite donc à tous une très très belle année, prospère sur tous les plans, beaucoup de santé, beaucoup de joie et d'amour évidemment. On va travailler ensemble aujourd'hui sur ce qu'on appelle un budget annuel. J'ai galéré à préparer cette vidéo. Elle arrive d'ailleurs plus tard que ce que j'avais prévu. C'est la première fois que je fais en fait un budget annuel et j'aurais jamais cru que c'était aussi, aussi long quand c'est la première fois. Alors je pense que cette vidéo, et je l'espère de tout cœur, va vous aider à aller beaucoup plus vite que moi, mais moi je suis partie de zéro et j'ai oublié plein de trucs. Enfin, donc du coup j'ai repris jusqu'à, je pense, trouver la version la plus aboutie. À quoi ça sert déjà un budget annuel? C'est ce qu'on va voir ensemble, mais ça permet vraiment de préparer tout ce qui est dépenses irrégulières et économies à mettre de côté par mois pour ne pas se retrouver dans la panade à certains moments de l'année. J'ai essayé d'illustrer tout ça de façon la plus visuelle possible. Moi, j'ai besoin de choses qui sont visuelles et je me suis rendu compte que c'est aussi pour ça que je m'étais repris à plusieurs fois. Comme ce n'était pas assez visuel ce que je faisais, ben, je m'y perdais. On fera à la fin de cette vidéo le budget du mois de janvier, parce que c'est pas parce qu'on fait un budget annuel qu'on doit se dispenser de faire également un budget mensuel. Le budget annuel, c'est pour avoir vraiment une vue d'ensemble de son année et pas se retrouver à court d'argent certains mois. Et le budget mensuel, c'est vraiment pour suivre ses dépenses à la semaine ou au mois. On fera le petit remplissage aussi des enveloppes de janvier. Donc, comme d'habitude, à la fin, j'ouvre mon classeur en enveloppe, on fait le point sur les dernières semaines et on attaque un mois ensemble. Alors, sans plus attendre, je démarre la préparation du budget annuel. Donc, je vais pousser mes petits billets parce que ça, c'est pour après. Hop ! La chose qui a été, une des choses qui a été les plus longues, ça a été d'élaborer vraiment au mois par mois une espèce de liste de tout ce que je vais devoir payer de façon irrégulière. Et ça compte plusieurs catégories. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les catégories que j'ai mises en place. Mais avant toute chose, pour que ce plan financier annuel corresponde véritablement à ce que je veux faire de cette année, je me suis mis des objectifs, en tout cas pour le premier semestre, je me suis mis des objectifs et des étapes à respecter. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, un de mes plus grands objectifs de l'année 2022, c'est de changer de job. Je suis actuellement consultante en e-commerce. Je suis consultante senior, donc je suis bien payée. Et bien payée pour un 80%. Et je vais avoir besoin de me former pour changer de métier. Également de continuer à compléter mes revenus, comme je le fais déjà, ça vous pouvez le voir dans d'autres vidéos, de façon à pouvoir assurer cette transition au cas où je perds du salaire en changeant de métier. Les étapes, eh bien, en tout premier, ça va être de voir si j'ai toujours droit à une formation CPF. Donc CPF, c'est le compte formation, c'est ce qui était anciennement le DIF, je crois. Aujourd'hui, pour être complètement transparente avec vous, il me reste 1795 euros de CPF, pardon, de budget CPF en formation. Donc je sais que je peux l'utiliser, néanmoins pour le moment je n'ai pas trouvé la formation finançable malgré le budget. Donc voilà, j'ai tout un point à faire au mois de janvier sur combien est-ce qu'il me reste en CPF et est-ce que je peux l'utiliser pour la formation que je veux faire. Et puis, mois de janvier également, je vais faire un point sur le fonds d'urgence qu'il me reste. Normalement, j'ai plusieurs mois de salaire à disposition sur un compte à part que j'avais constitué grâce à des primes. Plus que jamais, il va être, si je perds du salaire, il va être d'actualité et il va falloir que je l'utilise. Donc, il faut vraiment que je budgète ça aussi. Donc, ça, c'est tout le travail que j'ai à faire au mois de janvier. Première étape, c'est donc ça. J'ai calculé qu'il fallait que je pose ma démission au plus tard en mars, si je veux pouvoir partir en juin. J'ai 3 mois, étant donné que je suis cadre, j'ai 3 mois de préavis à respecter. Pourquoi la démission? Tout simplement parce que j'ai fait plusieurs fois des demandes de rupture conventionnelle qui ont été systématiquement refusées. Mon équipe ne veut pas que je parte. Et du coup, ils me mettent des bâtons dans les roues pour que je reste. On a une très bonne relation pour information, mais simplement, c'est pas dans la culture de l'entreprise d'aider au départ. Donc, il va falloir que je m'y fasse et que je m'adapte à ça. Et c'est très, très frustrant. Mais bon, voilà, c'est la vie. Je reprends sur le plan financier. Une fois que vous avez fait vos objectifs, il va falloir être
plein de compassion pour vous-même. Pourquoi ? Je m'explique. Dans mes objectifs, j'avais mis au départ que je voulais changer de job, donc qu'il fallait que je me forme, donc qu'il fallait aussi que j'attaque des solutions de complément de revenus pour ne pas perdre trop en qualité de vie. J'avais rajouté à ça, en fait, que pour le privé, je voulais refaire des travaux. Il y a une pièce chez nous qui est vraiment pas en état, qui a la buanderie, c'est compliqué. Je m'étais dit, je vais refaire des travaux. Bon, en fait, à un moment donné, il faut se dire, si vous avez des projets importants qui vont vous demander déjà de faire pas mal d'économies, vous pouvez pas tout faire en même temps. Enfin, peut-être que vous pouvez, mais ne surestimez pas votre plan financier sur une année ou sur un semestre, parce que vous pourriez vous dégoûter ou même vous rendre compte que c'est pas possible. Donc moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que ça pourrait être possible, mais vraiment en galérant tous les mois. Je me suis dit, non mais en fait, non, je vais pas passer une année 2022 absolument horrible à démissionner, me former, continuer à maintenir la chaîne YouTube, plus faire des travaux à la maison, plus essayer de gagner des compléments de revenus. Enfin, au bout d'un moment, il faut aussi manger et dormir, hein, voyez. Donc, si je peux vous donner un premier conseil, déjà, au niveau des objectifs de l'année, il y a une phrase très, je trouve, qui est très révélatrice et qui dit « On surestime souvent ce qu'on peut faire en une année, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 années. » Et c'est vraiment ça, c'est « Ok, il y a des choses que vous voulez faire, vous ne pourrez pas tout faire en une année, c'est très bien de garder la motivation pour faire des nouvelles choses, mais il va falloir faire des choix parce que financièrement, tous vos choix vont impacter votre budget. » Donc, mois de janvier, moi j'ai juste, entre guillemets, juste à faire un point sur tout ça. En revanche, en février, j'ai mon anniversaire de mariage et une régulation EDF qui vont tomber. En mars, j'ai encore des anniversaires et j'ai un week-end prévu en Normandie. En avril, j'ai un enterrement de vie de jeune fille qui va être payant, forcément. En mai, j'ai les 18 ans de la fille de mes amis, plus un autre week-end qui est prévu. En juin, là pour le coup, on n'a pas le choix, c'était des travaux extérieurs sur la toiture qu'on devait faire. Donc, c'est des tout petits travaux sur les bandeaux de toiture, mais ça n'empêche qu'il faut les faire quand même. Donc ça va tomber en juin. J'ai fait également le plan financier du semestre 2. La seule chose que je n'ai pas fait, ce sont les objectifs. J'estime que dans 6 mois, je pourrais remettre à jour mes objectifs. Mais du coup, là, pareil, j'ai listé et en fait, j'avais oublié plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de faire son planning. Mois de juillet, j'ai l'anniversaire de ma meilleure amie. J'ai une cousinade qui va me coûter de l'argent, je pense. En août, on a nos vacances. On a le vaccin des chats, l'anniversaire de mon neveu. En septembre, l'anniversaire de mon mari, un mariage. En octobre, l'anniversaire de ma fille, le plombier qui vient pour l'entretien de notre pompe à chaleur et la taxe foncière qui tombe évidemment. Novembre, anniversaire de ma filleule, plus taxe d'habitation. Et décembre, alors là, bingo, c'est Noël, jour de l'an, plus le paiement annuel de mon assurance voiture. Donc en fait, première chose, si tout ça, ça paraît simple parce que c'est très très propre, sachez que je l'ai fait 50 000 fois pour être sûre que ce soit le plus représentatif de mon année possible. Et à partir de là, j'ai pu commencer à établir un budget. Alors, au départ, j'ai vraiment établi un budget réel. C'est-à-dire que j'ai fait, mois par mois, j'ai mis les dépenses en face. Qu'est-ce que ça a donné? Et vous allez voir, c'est très inégal. Ça a donné ce tableau qui sont des provisions par mois. Donc en janvier, j'ai 0 euros a priori d'argent à dépenser pour des dépenses irrégulières. Néanmoins, comme vous le verrez dans mon budget mensuel, quoi qu'il arrive, je commence à mettre en route l'économie des provisions dès le premier mois de l'année. Donc il y a 200 euros, là j'ai noté que je mettrai quand même 200 euros. Ça me permettra d'avoir un suivi de tout ce que je mets de côté. En février, par contre, avec mon anniversaire de mariage et la régule EDF, j'ai calculé à peu près qu'il y aurait 350 euros. Et etc, etc, ça continue jusqu'au mois de décembre. Chacune de ces cases égale une dépense que j'ai mis ici. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est important de faire des provisions lissées par mois. Parce que tant que je n'avais pas fait ce tableau, je ne me rendais pas compte de la disparité qu'il pouvait y avoir entre les mois. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, je suis à zéro. Par contre, en décembre, entre mon assurance voiture, Noël et jour de l'an, je vais devoir sortir aux environs, enfin voilà, j'ai toujours fait la fourchette haute, mais 740 euros. Donc, en fait, si là, je me dis, cool, en janvier, j'ai rien à sortir, je vais pouvoir dépenser mon argent. Bah, par contre, en décembre, il y a quasiment la moitié de mon salaire. Si j'arrive en plus d'ici là à avoir suffisamment d'argent, je vais devoir mettre la moitié de mon salaire dans mes dépenses irrégulières. Pareil, le mois d'octobre est très important. Le mois d'octobre et le mois de novembre, c'est des mois d'impôts.
Donc, le mois d'octobre, par exemple, c'est 400 euros. Le mois d'août, avec les vacances, c'est 550 euros. Donc, vraiment, ce tableau m'a permis de me rendre compte que non, ce n'était pas gérable au mois le mois, de me dire, ouais, ce mois-ci, je dois rien et le mois prochain, je dois 500. Non, ça ne peut pas se gérer comme ça. Donc, je vous invite vraiment à vous faire un tableau de la sorte par mois avec les vraies dépenses. Et ensuite, là, vous allez pouvoir travailler ce qu'on appelle les provisions par catégorie. Donc là, moi, j'ai trois grosses catégories qui ressortent et qui peuvent se regrouper. Donc, il y a toute la catégorie cadeaux qui reprend l'anniversaire, le Noël et mon anniversaire de mariage. Donc, tous les anniversaires, j'ai listé à qui je voulais faire des cadeaux, combien à peu près le budget. Bon, après, je le respecterai ou pas, mais quand même, ça me donne une idée à peu près. Donc, les tout-petits, les adultes, etc. J'adapte le budget en fonction de l'âge. L'anniversaire de mariage. Ensuite, pour les vacances, eh bien, il y a les week-ends. Il y a les week-ends d'enterrement de vie de jeune fille et il y a notre week-end, nos vacances d'été. Donc, tout ça, j'ai fait un budget approximatif. Et ensuite, en dépenses obligatoires, donc ce qui, j'estime, ne sont pas des choix, mais vraiment des choses qui, quoi qu'il arrive, vont tomber, j'ai bien remis l'assurance voiture annuelle à 600 euros. La régule EDF, je pense qu'elle sera de 100 euros. Mais bon, c'est pas sûr. 100 euros, ce sera évidemment, à chaque fois, c'est ce que je dis, hein, 100 euros, c'est ma part. Hein. Quand ce sont des dépenses familiales, mon mari participe aussi. Donc, je pense qu'on en aura en tout pour 200 euros. Et les taxes et impôts, moi, de mon côté, ma part à moi, ce sera 500 euros et mon mari mettra la même chose. Donc, au niveau des provisions par catégorie, tout ça m'a permis de faire une liste très complète qui s'appelle mon budget annuel, en fait, année 2022. Et j'ai décrit chaque budget annuel. Donc, j'ai fait le total de tous les anniversaires, total de Noël et du repas du jour de l'an, mon anniversaire de mariage, nos week-ends, nos vacances, le vaccin du chat, mariage et enterrement de vie de jeune fille prévu cette année pour lesquels il faudra un budget cadeau, tenue et sortie pour l'enterrement de vie de jeune fille, taxe d'habitation, taxe foncière, jardin, parce que tous les mois de mars, avril, on dépense pour notre potager, donc on remet en place notre potager et on a les bandeaux de toiture à faire. Et ensuite, révision du système de chauffage, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui tombe tous les ans en octobre avec le plombier, la régulation EDF. Bref, tout ça donne une jolie petite enveloppe de 2400 euros. Et en fait, c'est la première année que je fais ça. C'est la première année que je fais toute ma liste et je me dis, mais waouh, en fait, il y a 2400 euros, donc quasiment 2 mois de salaire, dans l'année que je dois mettre de côté pour mes provisions, donc pour tout ce qui va être des dépenses irrégulières, mais qui tomberont quoi qu'il arrive. Et ça, je ne le faisais pas avant, donc ça explique aussi beaucoup de mes découvertes et de mes problèmes de gestion, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le budget annuel et je l'ai transformé en budget mensuel, ce qui fait que ça me donne à peu près 200 euros par mois à mettre de côté pour pouvoir vraiment gérer l'ensemble des mois et éviter de me retrouver avec des disparités entre janvier 0 euros, octobre 400 euros et décembre 740, vous voyez. Donc là, si je mets 200 euros par mois de côté pour ces provisions-là, a priori, eh bien, je vais m'en sortir sans trop galérer. Donc, je vous invite à faire cet exercice dans l'ordre pour vous rendre compte à quel point mettre une somme de côté par mois, c'est important. Et surtout, ça fait moins mal que de sortir des sommes astronomiques à la fin de l'année. Je me suis fait une petite checklist pour tous les ans, pour être sûre de rien oublier. Donc, effectivement, pour tous les frais annuels, il y a taxes foncières, taxes d'habitation, assurance voiture annuelle, contrôle technique également, ça, c'est tous les 2 ans. Donc, cette année, je n'ai pas le passé, mais l'année prochaine, ça me permettra de me rappeler que 2023, coucou, c'est reparti. Impôt sur le revenu, là, pour le moment, moi, il est prélevé à la source, mais imaginons qu'il y ait une régule ou quoi, il faut que je pense à regarder. Régularisation EDF pour le chauffage, ça tombe en février. Les Noëls, les anniversaires, les vacances. Et puis au fur et à mesure, je vais étoffer cette checklist s'il y a d'autres frais annuels qui tombent. Voilà, donc j'espère de tout cœur que le fait de me regarder faire un budget annuel, ça vous aidera à faire le vôtre. Pour information, là, moi, j'ai galéré à faire ces fiches. Ça paraît rien, hein, c'est des petits tableaux, mais en fait, vraiment, avoir cette vue d'ensemble, mettre des couleurs, etc., ça m'a beaucoup aidée. Ces fiches-là, je les mettrai, comme d'habitude, à disposition dans ma boutique Etsy. Pas de panique si vous ne pouvez pas vous les acheter ou que vous ne voulez pas les acheter. Je ne vous dirai jamais que vous n'êtes pas capable de faire les choses sans moi. C'est hors de question. Donc, si vous avez envie que ça aille vite et d'utiliser les mêmes fiches que moi, go sur Etsy avec grand plaisir. Merci pour vos soutiens. Si vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas, vous suivez de A à Z
tout doucement, vous prenez des notes sur cette vidéo et vous pourrez faire vous aussi votre budget annuel, sauf que ça ne ressemblera pas au mien, c'est tout. Mais ça, ce n'est pas très grave. Voilà. Alors, le budget annuel est fait. Donc, j'ai bien calculé que j'avais 2400 euros qui allaient sortir quoi qu'il arrive et que je devais mettre 200 euros de côté pour m'en prémunir. J'ai toutes les catégories. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des mois, je vais pouvoir regarder ce qui m'attend et le reporter dans mon agenda et ne pas l'oublier. Donc, ça veut dire aussi potentiellement pouvoir me préparer pour certains cadeaux, certains week-ends à l'avance. Là, je sais que par exemple, je pars en Normandie en mars. Dès le mois de janvier, je vais commencer à regarder les billets de train et je vais me mettre une alerte comme ça. Dès que je tomberai sur le meilleur prix, eh ben, je vais le prendre. Voilà, donc prendre de l'avance, faire du prévisionnel, c'est très important. Mais il faut aussi penser au mensuel. En fait, certes, l'année arrive, mais là, on commence quand même le mois de janvier. Donc, au niveau du budget mensuel, là, ça, ce sont des fiches, en revanche, qui ne sont pas sur ma boutique Etsy. C'est des fiches que j'utilise tous les mois pour ceux qui me suivent depuis le début. Ce sont des fiches qui sont complètement gratuites et que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description. Donc là, j'ai rentré mon salaire. J'ai pré-rempli ces fiches pour éviter que la vidéo dure 40 minutes. Donc, ce mois-ci, j'ai touché 1643 euros de salaire. Donc voilà comment je remplis mon budget mensuel. Je commence par mon salaire et toutes les sources de revenus. Sachant que normalement, ce mois-ci, j'ai même pas vérifié, je crois, on va toucher, pour les gens qui touchent moins de 2000 euros de revenus par mois, je vais avoir droit normalement à la prime inflation versée par l'État qui sera de 100 euros. Je vais faire volontairement, je vais vous expliquer pourquoi après, je vais faire volontairement comme si cette prime n'existait pas parce que j'estime que je vais faire mon budget sur un salaire sur lequel je peux compter pour le moment. Tout revenu supplémentaire, alors que ce soit des revenus Etsy, que ce soit des revenus YouTube publicitaires, tout ça, ça partira sur un compte à part puisque je suis en train de créer ma micro-entreprise. Et la prime inflation qui est de 100 euros, eh bien, je la mettrai de côté. Je vais essayer de la mettre de côté pour ma fille, pour lui faire un petit compte, d'épargne dont elle n'aura pas vent jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de pouvoir s'en occuper toute seule. Tout le reste, on gérera ensemble avec du cash. Mais là, on est plus sur une épargne spéciale études supérieures. Alors, au niveau de mes sorties automatiques, donc je démarre toujours comme ça, mes revenus, mes sorties automatiques, donc tout ce qui est pris par prélèvement automatique sur mon compte. Je vous fais un bref rappel, ça vous aidera si vous démarrez votre budget mensuel aujourd'hui avec moi, ça vous aidera à n'oublier aucune catégorie. Donc, moi, j'ai un compte Boursorama qui me coûte 0 euros par mois. On a un compte joint au Crédit Mutuel qui nous coûte 1 euro chacun par mois avec mon mari. J'ai une assurance vie qui me coûte 77,50 euros. Mes frais EDF, 75 euros pour ma part. Mon mari met aussi la même chose. L'assurance de la maison, quasiment 20 euros. L'alarme, 15 euros. Spotify, 7,50 euros. Disney+, 2,71 euros. Pourquoi 2,71 euros? Parce que je passe par un service qui s'appelle Split et qui m'a été conseillé par Origami. Alors, je le redis à chaque fois, mais c'est vraiment important. J'étais à plus de 350 quand j'ai commencé à faire mes comptes, plus de 350 euros de prélèvement automatique. Et grâce à Origami, qui est un service complètement gratuit qui vous aide à optimiser vos abonnements, eh bien, j'ai pu descendre à 216. Et encore, je pense que je peux descendre plus, mais il y a des services sur lesquels j'ai envie de continuer à travailler, des organismes avec lesquels j'ai envie de continuer à travailler, qui ne sont pas forcément les moins chers. Par exemple, mon assurance maison, j'en suis très contente pour le moment. Donc voilà, pour 4 ou 5 euros, je ne vais pas diminuer mon forfait et risquer de me retrouver avec une société qui me convient moins. Donc Disney+, normalement, ça coûte 8 et quelques euros, mais Origami m'a conseillé Split et ça me permet de partager mon abonnement et de ne payer que 2,71 euros par mois. Internet, 11 euros. Là aussi, ce sont des frais divisés par deux avec mon mari. Mon téléphone, 1,99 euros par mois. Alors ça, c'était une offre spéciale. Pareil, c'est Origami qui me l'a conseillé. Je suis trop contente parce que je n'ai pas trouvé moins cher pour le moment. Ça va durer un an et après, ça passera à 5,99 euros. iCloud pour sauvegarder toutes mes données sur iPhone et mon Mac, 2,99 euros. Et j'ai pris une petite souscription pour un challenge de sport que j'ai trouvé sur YouTube. Une fille, une anglo-saxonne que j'adore, qui a décidé de mettre en place un petit challenge réservé à des membres pour 1,99 euros par mois. Voilà, donc je pense à ma santé aussi, mais ça me coûtera toujours moins cher que d'aller à la salle de sport.
Hop, donc on en est à 216,92 € par mois qui partent en prélèvement automatique. J'ajoute à cela mes dettes en cours. Ce que j'appelle les dettes, c'est tous les crédits, que ce soit prêt immobilier, crédit travaux, crédit à 0%. J'ai la maison qui me coûte à moi 358,92 € par mois. Mon mari paye exactement la même chose. Le crédit à 0% énergétique pour ma pompe à chaleur, 64 € par mois. Le double en tout avec la part de mon mari. Et un crédit cuisine chez Castorama à 27,13 € qui s'arrête normalement au mois de juin. Donc en tout, par prélèvement automatique, nos crédits s'évaluent à 450,05 € par mois. Alors là, il s'agit de reporter tout ce que j'ai travaillé dans mon budget annuel pour en arriver à mes 200 € par mois de provision. Donc ce que j'appelle les économies mensuelles, en fait, ce sont plutôt des provisions pour l'année 2022 et pour respecter mon plan annuel. Donc j'ai rajouté à ça la cantine de ma fille qui ne tombe pas tous les mois puisque je ne la paye pas en juillet et en août. Donc je mets de côté en ce moment 30 € par mois pour la cantine de ma fille qui tombe trimestriellement. Anniversaire et Noël, j'ai calculé qu'il fallait que je mette 45 € ce mois-ci. Tout ce qui est taxes et régulations, 50 €. Vacances, 80 €. Vacances, week-end, EVJF, etc. Pour nos petits travaux qui vont arriver et que là pour le coup on ne va pas faire du tout, on va laisser des professionnels s'occuper. Pour la toiture, 30 € par mois en ce moment et pour ma future assurance voiture qui tombe annuellement, 50 € par mois. Ce qui fait que mes provisions, là, elles s'élèvent à 285 €. Mais j'ai mis un peu plus à cause de la cantine de ma Lily. Et puis, j'avais pas mis l'assurance voiture, me semble-t-il. Voilà, je l'avais pas mis là parce qu'en fait, l'assurance voiture, c'est quelque chose que je mettais déjà dans mes économies mensuelles l'année dernière. Donc, si on enlève les 50 € d'assurance voiture et les 30 € de cantine de Lily, on tombe bien sur 200 € de provision. Donc voilà, il faut que je compte à peu près 285 € en fait pour pouvoir payer aussi des choses annexes. Ce qui fait que du coup, on va pouvoir faire un 1643 €, mon salaire, moins tous les prélèvements automatiques qui comptent par mois, moins mes dettes, moins cette provision. Ça donne un total de 691 €. Et c'est là que je vais donc classer dans mes enveloppes le cash que je vais pouvoir utiliser. Donc là, c'est uniquement avec ce reste-là. Je vous rappelle que je paye mes dettes et je me paye en premier. Et ensuite, je considère que le reste, c'est du cash dépensable. Quelles sont mes catégories ? La catégorie 1, c'est toujours l'alimentation. D'habitude, je la fais en cash. Là, cette année, j'ai décidé que ça y est, j'arrivais enfin à maîtriser mon budget course, donc je vais passer en virement. Je suis super contente parce que ce soit chez les petits producteurs du coin, que ce soit au Leclerc Drive, ça veut faciliter la vie. Donc l'alimentation, ce sera plus en billets, mais ce sera en virement. Mes petits frais de maison, que ce soit pour l'entretien ménage ou des petites réparations, je vois là, il y a une ampoule qui a sauté, je vais mettre 20 €, ça ce sera, hop, un billet de 20 €. Pour la santé, 20 € aussi, un billet de 20. L'année dernière, j'étais déjà passée pour la voiture, j'ai 200 € de frais par mois. J'étais déjà passée en CB. Donc voilà, alimentation, voiture, ça passe en CB. Je vais vous montrer quand même que dans mon classeur, je garde les trackers et je garde de quoi continuer cette méthode des enveloppes, mais cette fois de façon virtuelle. Donc j'ai souvent des questions d'ailleurs à ce sujet-là. Question de comment je fais si moi, j'ai pas envie de manipuler des cash. Eh bien, vous pouvez tout à fait vous mettre en place ce système des enveloppes, traquer absolument toutes vos dépenses et vos dettes, vos provisions, etc. de cette manière. Et ensuite, vous faire des catégories. Simplement, au lieu de retirer du cash, eh bien, vous saurez que vous avez une catégorie de 20 € dépensable en CB et vous devrez noter ça dans un suivi, en fait, dans un suivi de tracker. Voiture, 200 €, comme je vous disais, ce sera en CB. Ensuite, moi, ça c'est une bonne résolution que j'avais prise et j'espère que je vais la tenir. Étant donné que j'ai décidé de changer de métier, d'orientation, je vais devoir quand même me cultiver un peu plus, je vais devoir rencontrer des gens qui font le même métier que celui que je veux faire, je vais devoir parfois me former sur des choses qui ne sont pas financées par le CPF, et puis je vais peut-être aussi devoir penser tout simplement à me racheter des jeans, car j'ai grossi, voilà, et ça me va très très bien, pas de problème, effectivement, je pèse probablement 5 kg ou 10 kg de trop, j'en sais rien, mais
Voilà, il faut adapter les vêtements, hein, ma foi. Voilà, hors de question que je recommence une nouvelle vie professionnelle en jogging. Donc, petit à petit, j'ai décidé de me faire un budget pour pouvoir aussi assurer cette reconversion et me remotiver. Donc, que ce soit, voilà, ça fait déjà plus d'un an que je suis en télétravail et que je vois personne. Tout ça, ça va nécessiter un peu d'argent. J'espère ne pas tout dépenser. Néanmoins, pour la première fois, sachant que pour ceux qui me suivent, j'ai commencé en septembre le système des enveloppes et j'avais un budget pour moi de zéro, je vais essayer de ne pas le dépasser, mais 100 euros, je trouve que c'est plus qu'honorable. Donc, 100 euros, je crois que j'ai 5 billets de 20, je vais vérifier. Ensuite, pour Malili, j'ai toujours une enveloppe pour 1. Son soutien scolaire, 2. Pour du shopping ou pour toute chose dont elle aurait besoin. Le soutien scolaire, c'est déjà plus de 100 euros par mois, selon les mois, selon le nombre de séances qu'elle utilise. Et la plupart de ses dépenses, en fait, se font en ligne. Et du coup, j'étais toujours en train de jongler avec mon cash. Sauf que ça se fait en ligne, quoi. Donc là, pareil, j'ai décidé de gérer pour elle par CB, notamment parce que le soutien, on est obligé de faire un virement. Donc voilà, ce sera beaucoup plus simple. Pour ma Lily, j'aurai une enveloppe, mais dedans, ce sera uniquement un tracker et des dépenses par CB. Les sorties, en revanche, je vais utiliser un billet de 50 et un billet de 10 pour avoir un budget de 60 euros. En fait, je me rends compte que la maison, la santé, moi, enfin mes dépenses à moi, ou les dépenses de sortie, donc restaurants, loisirs, etc. Ce sont les dépenses qui, entre guillemets, sont les plus dangereuses. C'est-à-dire que maintenant que j'ai réussi à vraiment maîtriser mon budget voiture, à vraiment cadrer le budget de Lily, sachant qu'il y a du soutien et que j'ai pas le choix, il faut que cette somme, elle parte tous les mois, et que l'alimentation, depuis qu'on fait les menus, depuis qu'on fait les fonds de placard, depuis qu'on fait hyper gaffe à notre budget, eh ben on dépasse plus. Donc en fait, ce que je maîtrise le plus, je peux le passer en CB. Tout le reste, je continue à garder du cash pour pouvoir manipuler de l'argent et me rendre vraiment compte quand les enveloppes sont vides. En fait, c'est très très psychologique. Donc là, normalement, je devrais me retrouver, si je fais le total, avec 7 billets de 20 euros, un billet de 50 euros et un billet de 10 euros. Donc, je vais regarder avec vous si on tombe juste. Donc un billet de 50 euros, oui. Un billet de 10 euros, oui. Et normalement, 7 billets de 20 euros. 5, 6, 7. Parfait. On va donc pouvoir faire le petit remplissage des enveloppes. Et ce qui me permettra aussi de faire un petit point avec vous sur le mois de décembre. Hop. Donc, au niveau alimentation, au mois de décembre, j'avais 150 euros. Il me reste 62 centimes. Je vais pouvoir nettoyer mes petites fiches. C'est avec du dissolvant et un petit chiffon. J'utilise ce type de marqueur permanent à pointe fine pour pouvoir écrire dessus. Elles sont plastifiées. Si vous souhaitez télécharger les mêmes, c'est Budget Chris qui les offre gratuitement et je vous ai mis le lien dans ma description. Voilà, donc 62 centimes du budget alimentation du mois de décembre. Et là, je ne remplirai pas mon enveloppe. Pas besoin, puisque je vais tout passer en CB. Donc, j'aurai juste à nettoyer mon petit bazar ici et remettre le tracker en place. Ensuite, pour la voiture, même combat, très très gros. Voilà, très très gros poste de budget, puisque je suis aussi à 200 euros. Même chose, je vais tout effacer. Pour la maison, j'avais mis 30 euros et j'ai tout dépensé. Eh bien, ce mois-ci, on est plutôt à 20. Nettoyage de tracker, insertion du tracker et on sera bon. Pour moi, Loulou, j'ai mis 100 euros. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 billets de 20 dans l'enveloppe Loulou. Pour ma Lily, j'avais également tout dépensé. Je lui ai mis 75 euros. Et je vais nettoyer le petit tracker. Voilà, mais ça sera fait en CB. Pour les chats, tiens, mais je suis en train de penser, je ne me suis pas fait une catégorie chat ce mois-ci. Ah oui, parce qu'effectivement, je l'ai mis dans mes provisions annuelles cette fois. Hop, donc là, il n'y aura pas de cash. Pour la santé, j'avais tout dépensé et ce mois-ci, on part sur un nouveau 20 euros tout frais. Pour les sorties, j'avais également tout dépensé. Voilà, il me reste normalement 3 et quelques euros. Et j'ai un budget ce mois-ci de 50 plus 10, donc 60.
J'ai toujours ma petite, mon petit tracker spécial complément de revenus. L'année dernière en fait, le mois dernier, en décembre 2021, j'avais parrainé mon papa chez Boursorama, ce qui m'avait fait gagner 130 euros. On verra si ça revient cette fois. En complément de revenus, il y aura aussi la prime d'inflation. Mais comme je vous disais, même si je le note, je vais essayer de l'épargner. Et enfin, je vérifie mes petites pièces. Normalement, il ne doit pas me rester plus de 4 euros d'après ce que disent les enveloppes. 3. Ah bah si, 4,40 euros et 1. Alors là, franchement, belle surprise. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Sachant que j'avais deux défis en cours, notamment le défi des pièces, qui n'a pas du tout fonctionné pour moi. C'est-à-dire que je remplis avec mes pièces, je remplis un petit pot. Je ne voulais même pas emmener, il est quasiment vide. Je remplis un petit pot. À la fin de chaque mois, en fait, je mets mes pièces en trop dans le pot. Sauf que au mois de décembre, ma carte bleue a été avalée parce que j'avais oublié le code. Et du coup, j'ai eu besoin de temps en temps d'aller à la boulangerie, machin, etc. Je ne pouvais plus retirer de cash. Donc, j'ai utilisé ce qu'il y avait dans mon petit pot. Et j'ai trouvé ça super pratique. Donc, en fait, même quand j'ai récupéré ma CB et que je pouvais faire des retraits, eh bien, j'ai continué à utiliser ce petit pot. Je ne sais pas encore si pour 2022, je vais maintenir l'utilisation de la fameuse boîte à pièces. Parce qu'en final, c'est tellement pratique d'utiliser les petites pièces mises de côté. Ça me permet aussi de faire des économies en fait tous les mois, puisque ces pièces-là, elles me permettent de ne pas casser des billets ou voilà, de ne pas faire des dépenses en plus. Voilà, donc à réfléchir. Par contre, quelque chose que j'ai bien maintenu, c'est le défi des 5 euros. Je compte le continuer, même si du coup, je vais manipuler de moins en moins de cash. Donc, j'aurai forcément, c'est mathématique, moins de billets de 5 euros. Pour rappel, le défi des 5 euros, c'est quand chaque fois que je vois un billet de 5 euros dans mes enveloppes, bim, je le mets de côté. Et cette année, donc entre septembre et décembre 2021, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. J'ai mis 10 billets de 5 euros de côté qui vont me permettre de me payer mon coiffeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10, je l'ai vu, j'en suis sûre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Je trouve ça hyper satisfaisant d'avoir des billets de 5 euros comme ça. Là, pour le coup, j'adore ce défi et celui-là, je ne compte pas le lâcher. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me laisser, comme d'habitude, vos commentaires. Ils me sont vraiment précieux. J'essaye encore de répondre à tous les commentaires. Vous ne pouvez pas imaginer le temps que ça me prend. mais voilà, j'en apprends toujours plein. J'en apprends toujours beaucoup, pardon, parce que j'en apprends plein, ça ne veut rien dire. Dans tous les cas, les prochains sujets vont pas tarder à tomber. Je pense qu'il faudra continuer à parler complément de revenus, continuer à parler investissement également. Enfin bref, j'ai plein d'idées. Comment gérer l'argent en famille, en couple avec les enfants, j'ai plein d'idées. Voilà, mais vous pouvez me soumettre aussi les vôtres. Je me répète, mais je vous souhaite une très belle et douce année 2022. Prenez soin de vos petits sous et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.